activité de sécurisation, assainissement au sein du corps de la police. En cette période post-électorale, les forces de l'ordre continuent de mener les activités de sécurisation, a tenu à préciser le contrôleur général de police, Razov Ben Najouachin, directeur général de la police nationale. En général, les élections se sont déroulées dans le calme. En ce qui concerne ce qui s'est passé à la station Viva de Fianarantsoa, des soupçons révèlent l'implication des éléments de la police. Des enquêtes sont actuellement menées au niveau de l'émo de Fianarantsoa, a noté ce haut responsable de la police au cours d'une rencontre avec la presse. Si jamais des éléments de la police sont impliqués, des mesures seront prises pour faire respecter la discipline, respecter la déontologie, notamment la lutte contre la corruption. Il importe de mener un assainissement au sein du corps de la police. En général, des sanctions sont infligées à ceux qui enfreignent les règles régissant le corps de la police. Une cinquantaine d'éléments sont déjà passés en conseil de discipline à temps appris et 5 ont été placés sous les verrous pour diverses raisons. Insubordination, négligence pendant le service, coups et blessures volontaires sur autrui.